Salut à tous. Salut à tous. Bon, ce matin, on n'est que tous les deux, ouais, avec mon petit poussin, parce que, donc, on vous emmène 24 heures au camping avec nous. Qu'est-ce qu'on fait ce matin, mon poussin? Ce matin, on va à la piscine. Eh oui, on va à la piscine. Mais pas juste pour s'amuser. Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire un cours de piscine. Eh oui. Donc en fait, nous passons la semaine au domaine de Duny, donc le camping Sea Blue Village, le domaine de Duny. Ici, ils proposent des cours de natation. Et comme Cody, il a pas forcément les bons gestes, donc du coup, on va voir ça, ce que ça donne. On vous emmène. Pendant toute la journée, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on propose ici au camping de Duny. Mais franchement, ce domaine, il est incroyable. Il est vraiment trop bien. Les mobilhomes, ils sont magnifiques. La piscine, elle est comment ? Il s'est réveillé de bonne heure, il est fatigué. Les cours de piscine, en fait, se passent avant l'ouverture de la piscine. Ça, c'est bien, comme ça, ils peuvent vraiment avoir un cours particulier. Et cet après-midi, on va voir ce qu'on va faire, mais il y a tellement d'activités dans le camping. On va essayer de vous en montrer un maximum. Mais franchement, ici, c'est le rêve. Ça continue. Franchement, c'est incroyable en si peu de temps. C'est une demi-heure le cours, hein. Mais je vois déjà les progrès. C'est un truc de dingue. En fait, finalement, il faut vraiment un prof, quoi. Parce que là, vraiment, c'est incroyable. Il se débrouille bien, le petit bonhomme. Franchement, il est super, le prof. C'est Quentin, il s'appelle Quentin. Mais il est vraiment incroyable. Franchement, il est trop bien. Il y a déjà les progrès. Franchement, c'est incroyable. La journée commence bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beaucoup. Ah, j'ai déjà vu, t'inquiète pas. J'ai déjà vu plein de choses. Il est super, Quentin. Tu peux dire un grand merci à Quentin. Merci. Bon, nous sommes rentrés du cours de natation. Tout le monde est réveillé et en train de déjeuner. Bon, alors Tino, déjeuner très spécial, des spaghettis. Il y a du Nutella, il y a tout ce qu'il faut. Lui, il veut des spaghettis. C'est un peu bizarre, cet enfant. Et donc, Cody se fait une petite tartine parce que la piscine, ça creuse. C'est super bien. Et avant, je savais même pas faire le dos. Ouais. Non, j'ai fait le dos comme ça, de 20 mètres sur le dos. Trop bien. Là, c'est bon, tu travailles, quoi. Je pense que ça doit creuser la piscine, c'est la cinquième crampote qui va. Et là, attends, il avait déjà déjeuné avant de partir. Donc voilà, petit déjeuner et après on va faire les activités du camping. Donc on vous montre tout ça tout au long de la journée. On va rejoindre Angie et compagnie et puis on va voir ce qu'on fait. Gonflable, piscine, on n'avait pas parlé de pêche aussi, on va voir. On va voir ça, allez. Bon, du coup, on est prêt pour la première activité du jour. Activité gratuite du camping. Et bah on a un jaune et un rouge, c'est ça, Ebé? On prend lesquels? Donc du coup, bah on a un jaune et un rouge. Eh non, non. Si le bateau est coupe, bah je serai nager en arrière. On a le petit étang là, c'est sympa, franchement. Le petit coin de paradis ici, c'est le coin des pédalos. Franchement, c'est trop le petit coin de paradis. À côté, il y a les tentes de la pêche aussi. Donc on va essayer de pêcher cet après-midi, ça va être trop bien. Est-ce que t'as les clés? T'as les clés? Vite, vite, donne-moi les clés. Ah, ils sont là. Allez, les clés. On va s'en aller. Bon, ça va? Ça se passe bien, les garçons? Alors là, Tino et Lenny, vous poussez pour deux, pour deux. Parce que eux, ils se sont collés à nous exprès pour se faire pousser tranquille, quoi. Attention, maman. Ah mon Lenny. Ah franchement c'est super le pédalo. Bon, après le pédalo, nous testons le mini golf, une autre activité gratuite du camping. Donc franchement là, trop bien. Oh là là, qu'est-ce que tu nous fais là? Oh là là, en combien? 50 coups? Attention. Il y a le terrain multisport, le terrain de tennis. C'est trop bien. Et tout ça, c'est en gratuit en fait. Donc ça c'est trop bien. Oh! Non, le trou il est là. Hein. Le trou il est là, hein, pas là-bas. Bon, alors maintenant on teste les Rosalie. Rosalie, Rosalie. Donc ça c'est une activité payante mais les prix restent très raisonnables. On a les hommes qui triment derrière. C'est cool hein. Nous on est tranquille. Ils n'arrivent pas à passer le dodan. Ils n'arrivent pas à passer le dodan. C'est quoi ça?
Oh, il y a des enfants devant, donc eux ils s'échangent les kartings et nous on avance plus, ils en peuvent plus. Oh, la séance de sport. Lui il dort, il est trop tranquille lui. Lui ils vivent leur meilleur vieux camping tous ensemble. Non mais ils sont trop bien. Donc en tout cas franchement les kartings et les Rosalys c'est trop bien. Toi t'as le plus gros truc. Ah. Et Cody t'en penses quoi toi? C'est trop bien. Ça c'est trop stylé pour visiter le camping. Bon maintenant on va pouvoir préparer à manger. Tu veux faire une petite sieste? Donc je vais vous montrer pendant qu'on y est le mobilhome. Donc là on a le salon, un très grand salon, franchement c'est immense. Avec le frigo, la cuisine, tout équipé avec la vaisselle et four. Ça c'est quand même le luxe. Là on a la première salle de bain. Oui, première parce qu'il y en a deux. On a une salle de bain dans la chambre parentale. Là on a hop, une première chambre. Bon les lits sont pas faits. Ok, qui n'a pas fait ses lits les gars? La deuxième chambre qui nous sert plutôt de dressing là du coup. Ensuite ici, bon les toilettes hein, voilà. Et là-bas, on a la troisième chambre, donc la chambre parentale, avec un petit dressing ici. Donc ça, c'est super sympa. Et ici, la deuxième salle de bain. Franchement, rien à dire. Il est incroyable ce mobilhome. Bon, on est bien ici, les garçons? Ouais. Ouais. Ça va? Oh, vas-y, tu pêches bien, toi. C'est une canne à pêche télescopique. Heureusement que la maman elle est là. Hein, hein? Tu fais quoi maman? Je mets l'asticot là. Un peu gluant mais appétissant. Oui, une grenouille. Elle pêche pas la grenouille. Là, non. Là. Bon maintenant on teste la pêche. On avait pris notre matériel de pêche. Donc ici dans le camping vous avez un bah, l'étang à côté d'où on a fait le pédalo. Donc c'est trop bien. Ça va bientôt mordre. J'ai confiance en lui là-bas aussi. C'est le petit caneton qui... Les petits canetons. Qui nous nargue en mangeant un poisson. Ah ouais, il mange un poisson, il semblait bien. Regarde, il nous nargue parce qu'ils ont pêché un poisson. Ils ont réussi à pêcher un poisson. Ils sont en train de pêcher un poisson. En face. Non mais trop drôle, juste en face. Trop mignon. Ils ont pêché un poisson. Bon alors maintenant, en attendant la soirée mousse, c'est planche tapas et saucisson au beau bar. Ah, le bar du camping. Et les boissons, bah tiens, regardez, arrivent les boissons. Voilà. Eh, c'est trop mignon avec les bonbons. Et pour les grands et les petits. On est trop bien là. Bon, maintenant, on mange au resto. Donc c'est le petit campeur, juste là. Donc moi j'ai pris des ravioles, là il y a des burgers, il y a des gourmands par là. C'est bon les garçons? Oui. Et après ça, il y a la soirée mousse. La soirée mousse. Allez, bon appétit tout le monde. Milieu lui. Papa.